Coucou, aujourd'hui j'aimerais bien vous montrer un petit peu euh, dans mon euh, dans mon instant du coloriage. J'aimerais bien vous montrer un petit peu euh, ma pile de livres que j'ai là sur mon bureau. Euh, ce sont les livres qui sont euh, des en ça, ce sont des encours. Euh, et ça, ce sont ceux que j'aimerais bien commencer. Ça veut pas dire que je vais le faire, mais j'aimerais bien éventuellement commencer. J'ai un peu feuilleté, j'ai trouvé des images qui me parlent. Euh, là, il y a mon Fobonichi euh, du moment. Euh, et en fait, ça, ce petit coin, ce sont mes journaux et livres. De coloriage dans lesquels je suis euh, ça ce sont mes euh, petits euh, journaux d'inspiration et d'idées mais commonplace book je ne sais pas si jusque là vous aurez vu la vidéo, mais voilà <laughs> ils sont là celui ci c'est aussi une sorte de grand journal avec des un peu collage avec plein d'images différentes euh, et puis euh, là j'ai aussi thème Alice au pays des merveilles qui me parle beaucoup en ce moment parce que je suis en train de lire les livres et on essayer de je suis en train d'essayer d'analyser la chose ce qui est vraiment pas facile mais ça me parle et j'ai... C'est en relation aussi avec les runes que je suis en train ou que j'étais en train de travailler. Donc, euh, ça me parle. Et il y a des synchronicités aussi par rapport à ça et par rapport à mes rêves et tout ça. Donc, euh, c'est ce qui me parle. Donc, je pense que je vais vous montrer rapidement euh, mes encours pour vous montrer combien j'en ai et éventuellement aussi ce que j'ai l'intention de colorier ces prochains temps. On va voir. Je, on va commencer avec mes encours. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Ce sont beaucoup de livres, ce sont beaucoup d'encours. Ça ne veut pas dire que je viens tous les jours là-dessus et tout ça. Il y en a qui attendent depuis un bon bout de temps et puis il y en a d'autres que je suis beaucoup plus rapide à colorier. Celui-ci, c'est un tout petit de chez Action. J'avais envie de voir si vraiment euh, c'est quelque chose de sympa et je voulais faire vraiment quelque chose de tout tout simple. Et ça fait déjà depuis l'été qu'avec des feutres, des colliers et tout ça, je m'amuse à colorier dessus. C'est vraiment tout simple. Euh, il pourrait être très rapidement fini. Mais c'est que quand j'ai envie et pour le moment, il attend. Voilà. Mais c'était pour voir ce que je peux faire avec des feutres. Voir aussi comment est le papier. En fait, c'est du bon papier. Hein. C'est quelque chose de pas mal du tout. Un... Euh, et puis, les illustrations sont vraiment mignonnes. Et donc, comme je n'avais pas commencé, je m'étais dit, euh, pour s'amuser, pourquoi pas. Quelque chose de vraiment euh, pas prise de tête du tout. Donc, celui-ci... J'ai eu le match mouse, ben que, en fait, je l'avais sur mon... Justement, sur cette pile. Et j'ai complètement oublié que j'avais commencé un colo. <laughs> Alors, euh, voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai feuilleté dedans pour regarder. Mais pourquoi, pourquoi ce livre est sur mon... Euh, sur mon... Bureau, et puis en fait, c'était à cause de ça. Parce que j'ai une certaine palette de couleurs que j'utilise maintenant sans arrêt et tout le temps. Euh, vous savez, quand j'ai une palette de couleurs, j'y vais pendant des mois et des mois. Ça, c'est pas quelque chose de rare chez moi. Et j'avais commencé cette illustration, j'avais complètement oublié. Et en fait, c'est vraiment euh, les petits Magic Mouse. Euh, Celui-là, c'est de l'automne, de Morgue O'Brien, sont vraiment super rapides. Ça, je peux le faire en une heure si j'ai envie. Mais pour le moment, voilà, j'ai que fait ça. Euh, là, c'était du, du feutre à eau et je suis contente que j'ai <laughs> mis du papier autour, euh, derrière parce que euh, bah il a vraiment complètement traversé. Alors je ne sais pas pourquoi ce feutre à eau a tellement traversé, mais voilà, c'est pas grave. Euh, et puis dans, dans ce petit livre, vraiment c'est quelque chose de très relax, très vraiment super sympa. Ça c'est vraiment quelque chose de cosy. C'est un livre que j'aime beaucoup aussi emmener avec euh, au travail parce que c'est vraiment quelque chose de très simple à faire. Mais vous voyez, j'ai déjà quand même beaucoup d'illustrations dedans. Donc peut-être que euh, ces prochains temps, euh, je reviendrai à justement en restant avec la palette de couleurs que j'ai maintenant pour terminer cette petite illustration. Ouais. J'ai aussi le Guardians of the Enchanted Forest de Forest Aeva qui attend aussi un bon bouton depuis l'été environ. Et euh, en fait, j'ai plus tant de choses à faire en fait. Mais voilà, il attend quand même un petit peu. C'était au moment où j'étais en plein dans les dots quand vous voyez euh, la vidéo des colos terminés du mois de mai et juin. En fait, c'était, c'était, ouais, bah oui, ça devait être à ce moment-là que j'ai commencé parce que là aussi j'ai fait plein de dots euh, sur les arbres, sur le contour, dans le fond avec des couleurs différentes. Et en fait, il manque plus grand chose, grand chose. Mais j'étais un peu bloquée parce que je ne savais pas comment continuer le dragon, mais en fait il n'y a vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'est bien de revenir, de vous montrer, comme ça ça me, ça me motive à revenir et vraiment terminer l'illustration. Parce que ça fait vraiment mes joints que euh, voilà que cette illustration attend. Et en fait mon thème, en fait... Quand je choisis maintenant des illustrations, il y a toujours une raison, il y a toujours une histoire derrière, cachée dedans. Parfois je la raconte, parfois je la raconte pas, mais c'est rare que je prends une illustration comme ça au hasard et que je commence. Il y a très souvent une idée euh, derrière en fait. Ça par exemple, là il n'y a pas d'histoire. Ça c'était vraiment, euh, prends une image et puis vas-y. Et après j'ai du mal à revenir parce que voilà, il n'y a pas d'histoire derrière. Quand il y a une histoire, c'est plus facile pour moi de la travailler parce que quand je suis en train de colorier, je suis en réflexion sur cette histoire, sur ce que je suis en train de travailler moi-même dessus. Et ce thème est pour moi déjà fini, déjà terminé. Donc en fait, ce serait bien de terminer l'illustration parce que ce thème, je l'ai vraiment bien travaillé et je l'ai bien, pour moi, clôturé. J'ai l'impression de l'avoir bien clôturé. Donc ce serait, euh, ce serait vraiment le moment de bien euh, terminer ce. Voilà, de finir de colorier cette illustration. J'ai le Yoga Animal So Cute, c'est un livre, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal, j'ai du mal. De Kima Perish, c'est un très très beau petit livre euh, avec des petits animaux qui font du yoga. Il est vraiment mignon ce livre, mais cette illustration euh, attend depuis plus d'un an, si ce n'est même pas un an et demi. Euh, plein, oui, Un an plus tôt, euh, j'avais pas beaucoup de choses dessus. J'avais le fond, j'avais deux, deux cactus, peut-être, et puis c'est tout. Et cet été, j'ai quand même bien, bien continué. Et puis voilà, <laughs> puis depuis, j'arrive pas à continuer alors qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Alors que en fait, les couleurs seraient déjà claires, mais je sais pas, j'arrive, j'ai du mal avec cette illustration, alors je sais pas pourquoi. Euh... Je sais pas, je peux pas trop expliquer. Peut-être justement parce que je n'ai pas d'histoire par rapport à ça. D'un autre côté, bon, des lamas, ça me parle parce que c'est mon symbole dans mon... quand je fais du journaling qui représente mes enfants quand je leur tresse les cheveux. Mais je sais pas, j'arrive pas avec cette illustration. Donc euh, le livre est là pour pas que je l'oublie et que enfin je termine parce que vraiment il n'y a pas grand chose. Mais j'y reviendrai peut-être. Le Wild for Flower Folk de. Euh, j'oublie toujours, de Christine Caron c'était un cadeau de Béatrice et, euh, et j'ai toujours pas terminé la première illustration j'ai commencé et en fait c'est un peu euh, de ma faute parce que je l'avais oublié je l'avais remis dans la bibliothèque et j'avais un peu oublié cette illustration, c'est pour ça que je l'ai ressorti pour y revenir euh, espérons bientôt euh, pour continuer cette illustration qui est pour le moment que fait à l'aquarelle qui est pour moi qui représentent très bien les Runa. les runas pour moi ce sont des êtres qui euh, sont en pierre des petits êtres nature de nature qui euh, euh, sont en connexion avec les pierres et qui euh, sont en pierre eux aussi et ils représentent quoi moi je les vois comme ça euh, avec des oreilles pointues avec un nez relativement pointu ils sont relativement maigres euh, et tout en pierre et en fait j'avais commencé cette illustration et je l'aime beaucoup et euh, mais je n'ai pas continué. Et donc, en fait, je l'avais vraiment oublié. j'aimerais bien vraiment l'utiliser. De quoi vraiment la continuer. Je pense que a... ça pourrait aller relativement vite. Parce qu'il n'y a vraiment que les cheveux, euh, l'habit et puis le fond. En fait, je pense que ça serait une illustration qui irait rapidement. Et je ne sais pas pourquoi euh, elle attend encore. Il y a sûrement une raison. Mais voilà. Je l'ai là maintenant sur ma table. Comme ça. Euh, voilà. Pour y penser, pour y revenir de temps en temps. Ouais, parce que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'en ai fait à l'aquarelle pour le moment. Euh, je n'ai pas travaillé la peau ni rien. Alors ça va rester comme ça. J'aime bien quand l'aquarelle travaille tout seul et que je ne reviens pas avec le crayon et tout ça. Voilà. Ouais, oui, si quand même. En la regardant comme ça, j'aime bien. <laughs> J'ai le Enchanted Earth de Melpomini Chati tout qui était aussi un cadeau de. Euh, de Béatrice et Béatrice m'avait offert quand même relativement beaucoup de livres et j'avance guère dans ces livres-là. Mais en fait, elle m'avait vraiment dit que je j'ai pas besoin de me presser pour les commencer. C'est que quand ça me parlera et vraiment je le fais quand même l'a dit. J'y vais vraiment que quand ça me parle. Et j'avais commencé aussi euh, ce printemps cette illustration-là euh, qui me rappelle Amsterdam, le voyage de l'année dernière à Amsterdam, ce que j'avais fait. Et là, j'avance vraiment. Doucement, doucement, mais j'y suis revenue il n'y a pas longtemps. Donc, vraiment, j'y vais vraiment doucement. Il y a un peu de tout. Il y a euh, crayon aquarellable, il y a des feutres, il y a des stylos gel. Je ne sais pas si vous allez voir. Euh, il y a crayon de pas à couleur. Il y a vraiment un peu de tout. Euh, et ça avance vraiment doucement. Mais au moins, ça avance. <laughs> Et en fait longtemps le livre ne me parlait pas... Les illustrations sont magnifiques, j'adore, j'adore. Hein. Mais longtemps les illustrations ne me parlaient pas à dire euh, colorie-moi, colorie-moi. Et là maintenant je vois que ça vient. Là. Maintenant quand je feuillette, il y a cette illustration qui me parle. Il y a... Cette illustration qui me parle beaucoup aussi, en fait là maintenant je vois qu'elles sont en train de me parler et de me dire, maintenant, voilà maintenant on est prêt, ça aussi ça me parle, euh, tu, maintenant tu peux commencer de lentement à, à nous colorier, donc en fait j'avais j'avais je voulais terminer d'abord cette illustration mais je suis vraiment en train de réfléchir si je vais pas quand même commencer les illustrations qui me parlent ouais ça ça me parle aussi hein. ça, ça j'aime beaucoup cette illustration là je sais pas pourquoi en fait c'est pas parce qu'il y a une histoire derrière mais c'est je sais pas je trouve qu'elle est très jolie euh, mais comme je vous dis j'aime bien colorier les illustrations quand elles ont vraiment une histoire à me parler quand elles ont quelque chose sur laquelle voilà vous, voilà j'avais même su celui-ci euh, quand il y a vraiment quelque chose qui euh... La composition, les images, les illustrations, euh, les éléments, quand il y a vraiment quelque chose qui me parle et qui fait que j'ai... Euh, ouais, ça aussi. Oui, bon, en fait, il y en a plein. <laughs> euh, où, où je vois vraiment une, une, mon histoire. Mon histoire à moi, personnelle. Voilà, c'est vraiment une... une euh, où, où je trouve vraiment une connexion personnelle avec cette illustration. Ouais, ça, ça me parle extrêmement. Ça me fait penser à la... Rune et oise, rune et oise, pourquoi Parce qu'il y a un cheval et je mets bien la rune et oise. Il y a des runes, il y a certaines runes qui m'ont pas beaucoup parlé et il y en a d'autres qui m'ont extrêmement profondément parlé euh, où j'ai vraiment eu vraiment quelque chose, une grosse connexion. Et ces, ces runes elles reviennent régulièrement dans, dans mes colos. Euh, dans mes coloriages en fait, j'aime bien les représenter par rapport aux illustrations que je choisis. Les tarots coloriages d'Alexis et Thomson. Là, il y a un en cours qui attend aussi depuis un bon bout de temps, mais j'ai pas envie de me presser pour cette illustration. C'est le valet de bâton. Euh, cette palette de couleurs, je l'ai ici dans cette euh, trousse là, et elle attend parce que c'est la couleur, c'est ce la palette de couleurs pour tous mes bâtons. Voilà. Et donc, euh, pour celle-ci, je me laisse un peu du temps. Mais j'aimerais bien vraiment avancer parce que je trouve que je jusqu'à présent, c'est déjà pas mal ce que j'ai réussi à faire. Voilà. Mon bébé million... Euh, non, mon million de bébés animaux. Un cadeau de Charlotte. Lulu Mayo, bien sûr. Euh, Lulu Mayo, euh, c'est un peu... Euh, voilà. C'est... fier rouge, toujours. J'adore Lulu Mayo. Lulu Mayo, je peux en faire des... <laughs> sans... Vraiment, je peux vraiment en faire sans arrêt, sans arrêt. Et là, je n'ai pas toujours une histoire. Mais... Dans les illustrations qu'on a choisies toutes les deux, en fait, ça me parle beaucoup. Et là aussi, c'est très personnel. Les, les illustrations que j'ai choisies, je crois que c'est pour ça que j'ai aussi un peu du mal à avancer rapidement. J'avais déjà fait cette illustration avec elle. Euh, qui viendra dans l'écolo terminé Je vous la montre, je fais un spoiler. Et cette double page, j'ai vraiment du mal à avancer. J'avance doucement, vraiment, à pas d'escargot, euh, Mais c'est justement parce que je suis encore plein dans ce travail, quoi. C'est un truc de dingue, <laughs> combien ça me travaille ce thème. Euh... Avec les oeufs, avec euh, les oiseaux qui... les bébés oiseaux qui s'envolent de leur nid, tout ça. Et en fait, j'ai vraiment... Oh, après des mois, j'ai encore du mal à lâcher, quoi. Et en fait, euh, voilà. J'ai tellement besoin de travailler là-dessus que le colo a besoin de longtemps pour se développer et pour euh, se mettre en place, quoi. Et que les couleurs se mettent en place. Donc là, ces derniers jours, j'ai bien avancé. Euh, J'espère que je vais terminer ce cette double page un jour. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et j'aime beaucoup parce que, euh, pas spécialement toujours par rapport au résultat, mais par rapport à ce que ça représente pour moi. Et je trouve qu'un colo qui a une représentation pour soi a une beaucoup plus grande... Euh, euh, signification et importance après à la fin, que par rapport à la technique, au résultat final et tout ça. Si c'est pour moi quelque chose qui est vraiment personnel, euh, je sais que je vais aimer l'illustration. Ouais. Donc voilà, euh, vraiment c'est en cours à temps depuis longtemps, mais voilà. <laughs> Déjà tout l'été, on a commencé en ju juin, juillet, et voilà, on est en octobre, j'ai toujours pas terminé, mais voilà, ça, ça, ça a besoin du temps. Romantic Country, le deuxième tome de Derry. Euh, j'ai plus, plus, plus beaucoup d'illustrations à colorier. Euh, plus qu'une dizaine environ. Ouais, une dizaine. Et j'ai commencé. J'ai commencé. Il euh, y yes, a cet en cours qui attend depuis une éternité, mais ça c'est vraiment en pause. Je ne le compte pas comme en cours du moment. Euh, ça c'est vraiment en pause depuis plus d'un an au moins, si ce n'est pas presque deux. Euh, j'ai commencé ça ces derniers jours. Le problème c'est que mon crayon est en train de lâcher complètement. Je ne sais pas comment je vais faire pour continuer le, le reste du fond avec un feutre. Et j'ai fait cette double page où j'en suis aussi déjà depuis environ l'été aussi, août. Août environ. Et malheureusement, j'ai rangé les crayons. Je ne sais plus trop ce que j'ai pris. Mais bon, je vais retrouver. Je sais que ce sont des Arteza. Donc Arteza, pas de problème. Je, je vais retrouver. Mais voilà, c'est ce que j'avais fait. Euh, un truc pas prise de thèse. Et là, c'était vraiment que pour enfin terminer ce livre. Parce qu'il n'y a vraiment plus beaucoup de pages. Là, il n'y a pas d'histoire de, derrière. Et en fait, c'est ça qui fait que j'ai un peu du mal à avancer. Mais euh, en fait, c'est quelque chose de relativement simple. Hein. Je pense qu'il faudrait que je ressorte les crayons et puis que je m'y mette. Et puis ça sera fait, quoi. C'est parce qu'en fait, voilà, ce, ce livre est, est pratiquement fini. Là j'ai fait un tout petit peu euh, commencer cette page là avec des feutres, mais voilà, je ne le compte pas encore comme en cours en cours. C'est que... Voilà. Pour euh, débuter un petit peu, mais vraiment j'ai plus beaucoup. et vraiment plus que quelques pages dans ce, dans ce livre-là. Angela Harding. Hmm, de, de, bah, le livre de coloriage d'Angela Harding. Un tout nouveau livre que... J'ai... Euh, comment Une page qui est là, qui attend... Voilà, qui vraiment que j'avance vraiment doucement, doucement. Vraiment très lentement. Euh, mais chaque élément a une importance. Et là aussi, c'est pour représenter la rune éoise. <laughs> la rune éoise qui est un M. Qui ressemble à un M. En fait, euh, si vous avez... Euh, Est-ce que j'ai un petit papier pour vous montrer euh, Si vous dessinez un M... Euh, Je ne l'ai pas bien fait moi-même, mais vous voyez, hein, euh, voilà. Euh, le M. Ce sont en fait deux chevaux, deux chevaux qui se regardent. Voilà, ça c'est EOAS. Et donc, euh, cette rune me parlait beaucoup. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que je vois un cheval, maintenant je pense à, à la rune EOAS. J'ai envie de colorier l'image rien que pour EOAS. <laughs> donc, euh, c'est pour ça que j'ai pris cette illustration-là. C'est un très beau livre. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, tout en linographie. Moi, ça me fait penser à Carolina Kubikoska, mais j'aime beaucoup. Oh, et je vois qu'il y a des lièvres. J'ai tellement envie de colorier des lièvres en ce moment, des lapins et des lièvres. Euh, parce que justement, je suis plein dans Alice au pays des merveilles. Et j'ai rencontré un lièvre. Et c'est comme ça qu'en fait, Alice au pays des merveilles est un peu venue vers moi. Parce que j'ai rencontré un lièvre qui m'a dit quelle rune prendre. Et en fait, cette rune euh, qui était. Euh, qui était quelle rune Fait, où? fait où? Eh ben, Elle avait justement ce trou euh, pour. Euh, ce trou pour euh, tomber euh, dans ce trou de lapin là pour euh, tomber dans... au, au pays des merveilles. Est-ce que je l'ai ici quelque part Non, je l'ai pas ici, mais sinon je vous l'aurais montré. Fait où Et là, justement, ce trou dans, dans cette rune quoi. <laughs> et c'est comme ça que qu'Alice au pays des merveilles est venue vers moi. Et c'est pour ça que j'ai pris Animal Totem parce que dans Animal Totem de Straighten Peterson, il y a un lièvre. Qui est, qui est, qui est, qui est. Bonne question. Tu es où Là. Là. Donc, j'ai déjà fait le fond. Euh, je veux représenter Alice au pays des merveilles dans une façon un peu euh, fou. Voilà. Allez dans la folie. Euh, euh, J'aime bien ce mot fou en allemand parce qu'on on appelle ça Ferrückt. Et Ferrückt veut dire. Je ne suis pas à la place qu'on m'a demandé d'être, mais j'ai changé de place. Je, je, me suis fait ret... <laughs> je me suis mise sur la place d'à côté, un petit peu dans ce genre. Je suis sur la place d'à côté. Donc, être fou, ce n'est pas être... Euh... Voilà, bon, j'aime bien cette idée de je ne me mets pas là dans, sur la place que la société me demande d'être, mais je me mets sur le côté. Euh... Sur la place que moi je veux être. Et c'est pour ça que mes couleurs sont spéciales, très spéciales. Euh, et c'est pour ça, en fait, avec la même palette de couleurs que j'ai en ce moment, et j'avais déjà colorié, euh, je vous cherche rapidement le livre, cette illustration dans Fairy Test de Emily Littlehall Eubank. Et j'avais fait cette illustration-là. Et je l'adore par rapport aux couleurs. J'ai montré ça à ma fille, elle a dit, oh, moi, je pas du tout, J'aime pas du tout ce que tu as fait, et moi, j'adore, <laughs> j'adore. Et vous voyez, avec des couleurs qui sont vraiment extrêmes, quoi, vraiment extrêmes. Euh, pas du tout une palette que je prendrais normalement, mais j'adore ce que j'en ai fait. Et ce rose-là, eh ben, en fait, c'est le rose que j'ai mis sur le fond. C'est du feutre. Voilà. Euh, donc, j'ai commencé ça, et il me parle bien, c'est vraiment le lièvre que j'ai rencontré dans la forêt, c'est vraiment fait où la rune Féou. La rune Féou qui est. Comme ça. Voilà. Féou. Euh, qui est Abondance. Et Abondance avec un, un lièvre, un lapin. Ça, ça, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Donc ça c'est ce que j'ai commencé. Pour continuer avec Alice au Pays des Merveilles. Je me suis procuré ce livre là. De Julia. De la collection Julia Weavers euh, De Xenia Irina et là je suis en train de faire cette Alice au pays des merveilles donc je fais exprès je ne veux pas que mon Alice à moi ressemble à cette Alice qu'on connaît tout le temps euh, je veux ma propre Alice à moi donc elle n'a pas spécialement les couleurs vraiment typiques d'Alice et quand même je veux qu'on la reconnaisse donc là elle a une robe turquoise euh, fuchsia et là elle a une sorte en fait c'est une robe mais je trouve que sur cette illustration là on dirait qu'elle a une salopette et là j'ai mis euh, regardez comment ça brille bien <laughs> de comment ça s'appelle de l'aquarelle euh, nacré de chez Action j'aime beaucoup cette couleur là voilà et d'aller vraiment aussi dans cette dans cette idée un peu euh, voilà fluo bizarre je suis dans un rêve ou dans un monde bien spécial un pays des merveilles euh, voilà et donc je vais un peu dans les couleurs euh, extrêmes en restant dans ma Palette quand même, je change les couleurs, mais il y a toujours ce, ce rouge rosé, il y a toujours ce, ce vert. En fait, il y a des couleurs qui restent, et après, je change un petit peu ici et là. Et je me suis aussi procuré. En fait, j'aime pas Alice pays des merveilles. Hein. Euh, en fait, j'aime pas du tout ce, cette histoire, ce conte, parce que je, je ne l'ai jamais compris. Je trouvais qu'il faisait peur, sur, surtout celui de Disney. Moi, toute cette. C'est très sombre, c'est très. Pour moi, c'était presque cauchemar, j'aimais pas du tout, mais là maintenant ça me parle tellement. Euh, voilà que... Euh, voilà. <laughs> je me suis procuré ces deux livres-là. Et j'ai commencé un tout petit peu, encore ce rouge rosé, pour faire cette illustration-là. Et j'en ai encore euh, euh, marqué. Euh, en fait, je suis tout au début du, du, du conte. Je, je, je relis et relis et relis la phrase. Et encore et encore pour comprendre. Euh, donc en fait, je, je vais vraiment à pas d'escargot dans ce, ce conte là je l'écoute en audio, je l'écoute je en audio, la série d'Alice au Pays des Merveilles, euh, l'animé japonaise d'autrefois. Euh, je le lis dans un livre d'enfant, je le lis euh, en, en regardant les analyses qu'il y a, les réflexions qu'il y a déjà sur ce livre-là. Je, je lis dans toute, euh, voilà, je l'écoute, je le lis, je le regarde dans toutes les différentes versions pour comprendre ma version à moi. Donc, cette illustration me parle aussi. En fait, je reste en ce moment très très au début du livre, vraiment au début de l'histoire. Voilà. Pour voilà, pour vraiment comprendre le début, pour après avancer lentement lentement pour après arriver vers la fin. Je ferai pas toutes les illustrations mais ce qui me parle, surtout que celui-ci ce, ce livre là, il est vraiment énorme. Ah, j'ai pas je vous ai même pas dit de qui c'est, de Olga Goloveshkina. J'aime beaucoup la petite Alice, je trouve qu'elle a une tête bien bien sympa. Donc ça, j'aimerais bien le faire. Là, elle est en train de tomber dans le trou euh, du lapin pour aller dans le bas monde. Elle va dans le bas monde pour aller au pays des merveilles. Et après, quand on regarde à quoi ressemble le bas monde, ce pays des merveilles, eh ben, c'est comme ça que ressemble le bas monde. Euh, un grand jardin avec des prairies, avec beaucoup de fleurs. C'est exactement ça. <laughs> voilà. Donc, c'est ce que j'ai choisi. Donc, ces trois illustrations, non, même quatre, quatre illustrations que j'ai choisies à colorier. Euh... En premier, ça veut pas dire que je vais le faire, mais voilà. J'ai déjà commencé avec la première. Euh, J'aime bien cet effet rond, ça fait un peu moi on moi, Donc, euh, ça, je peux bien imaginer après, quand ça sera colorié, de les photocopier et de les mettre dans mon journal. Voilà, donc ça, ce sont mes en cours. Donc, vous voyez, euh, j'en ai beaucoup et. Mais je ne me stresse pas pour ça, il y en a qui attendent un peu plus longtemps, il y en a qui ont besoin du temps, il y en a d'autres que je fais beaucoup plus rapidement. Euh, comme je vous dis, celui-ci avec. Euh, je l'ai fait en 2-3 jours même pas. Parce que j'ai tellement aimé. J'étais tellement dans le truc et j'ai trop aimé les couleurs et le rendu qu'en fait j'étais super rapide après. Parfois un encours a besoin du temps pour débuter. Et puis parfois ça va super vite. Voilà. Euh, et puis voilà. Donc c'est mon encours. Et en fait, je remarque que ça ne me stresse pas d'avoir ton encours. Parce que quand je remarque que justement, euh, cet encours là, par exemple, il ne me parle pas du tout là maintenant. Je sais que je crois que je ne vais même pas y revenir euh, de si vite. Ben, je peux le remettre dans ma bibliothèque. Et, et ça sera un encours. Et j'en ai plein d'autres dans ma bibliothèque qui sont comme ça. Mais c'est pas alors un encours du moment maintenant que je suis fait... que je fais maintenant. Je le mets de côté et je reviendrai. Un jour ou pas. Et je me dis que c'est pas... Mauvais non plus d'avoir des encours et de ne plus jamais revenir. On a tellement d'illustrations dans tous nos livres de coloris, que ce n'est pas grave si on n'arrive pas à tout colorier. De toute façon, on ne va jamais y arriver. Euh, avec tous les livres qu'on a, je ne pense pas qu'on va y arriver dans une vie à tout, 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 tout colorier. Et euh, donc, hein, pas de stress. On fait ce qu'on a envie de faire. On s'amuse. On joue. On va dans les couleurs. Et euh, si ça nous parle ou pas, euh, bah, c'est bien comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Avec euh, ce petit instant coloriage.